Regardez ça. Le fléau a imposé sa marque ici. Hein? Quand on pense que c'était censé devenir la planète des Turiens. Maintenant, les exilés l'ont envahi. Les radiations cosmiques sont extrêmement élevées, Ryder. Vous devrez rester dans le nomade. À quoi ça sert d'avoir des combinaisons high-tech si elles ne bloquent pas les radiations? En situation normale, elles les bloquent. Mais le champ magnétique de la planète, il a été perturbé quand elle s'est ouverte. Les combinaisons ne vous protégeront pas contre un rayon cosmique capable de décomposer vos molécules. Donc, on reste dans le nomade. Amorçage de la descente. Bonne chance, Ryder. L'apesanteur est plus faible que celle dont on a l'habitude, pionnière. Gil dit que vous ne risquez pas trop d'atteindre la vitesse de libération par hasard. Avec moi là-dedans, aucune chance. Sam, qu'est-ce que c'est que ça? Un dôme minier, pionnière. Une fois à l'intérieur, vous devriez pouvoir descendre du nomade. Et les radiations spatiales? La structure du dôme empêche les rayons cosmiques d'entrer. Au travail! Environ. Il nous apportera peut-être des réponses. Le principal composant du carburant utilisé pour les navettes pionnières. Il peut également servir à la fabrication de puissants explosifs. Il manquait plus que ça, des exilés munis d'explosifs. Il faut qu'on entre dans cette base. Le code fourni est incomplet. Les données de la zone indiquent d'autres dômes miniers. J'ai ajouté leurs emplacements sur votre carte. La sœur de Vetra a dit que les colons enlevés avaient été emmenés ici. Vetra en sait plus. Aucun signe vital détecté dans le périmètre immédiat. Allons voir, mais restons prudents. Regardez, on dirait que c'est vide. Je vous jure, si Sid nous a fait venir ici pour rien, je vais lui perforer les plaques. C'était quoi ce bordel? Je vous suis tombé dessus. Pardon. Ah, Nyx. C'est gentil de vous joindre à nous. Et pas toute seule. Mais on dirait la pionnière, en voilà une surprise. Mon leurre a été plus efficace que prévu. Les disparitions. Qui êtes-vous? Pourquoi vous enlevez des innocents? Innocents? C'est des truands. Vous les avez aidés à m'échapper. Vous croyez que je vais l'oublier? Mettez-vous à l'aise. Vous sortirez pas d'ici.
Je veux savoir ce que vous avez fait, et qui vous en veut. Je ne sais pas qui c'est, ni ce qu'elle peut me vouloir. Je ne suis pas assez stupide pour... Ça ira, Vetra. Vous n'avez pas à nous couvrir. C'était Mary Weaver, une chef contrebandière de Kadara. On travaillait pour elle. Vetra nous a aidés à fuir. De nouvelles vies cachées dans les avant-postes. Donc, vous aidez les gens. Pas la peine d'être aussi modeste. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas aidé ces gens. D'accord, d'accord. Vous les avez pas aidés. Il faut que je sorte de là. Impossible. On a essayé. Il y a toujours une sortie. Ryder, je vous jure, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. J'obtiendrai des réponses, mais d'abord, il faut qu'on foute le camp d'ici. Vetra a l'air sacrément agitée. J'en viens à douter de ce qui s'est réellement passé. J'espère que ça va bientôt s'arranger. J'ai cru comprendre que vous étiez un exilé du Nexus. C'est ça. J'en suis pas fier. À notre arrivée ici, la situation n'était pas brillante. Vraiment pas. C'était facile de mettre en cause l'initiative. Quand la révolte a éclaté, je me suis joint aux rebelles. Mais les choses ne sont pas mieux sur Kadara, ni où que ce soit d'autre quand on est seul. Vetra m'a donné une deuxième chance. J'aimerais bien savoir de quoi il parle. Parlez-moi de Mary Weaver. Elle était technicienne en géomatique, quelque chose comme ça. Mais elle est devenue chef de gang et contrebandière. Quand on a commencé à bosser pour elle, ça allait. Et puis, elle s'est mise à faire des trucs qui nous gênaient. Mais avec Mary Weaver, on peut pas simplement démissionner. On avait besoin que quelqu'un nous aide à nous cacher. Et maintenant, Mary Weaver est convaincue qu'on complote contre elle, ou je ne sais quoi. Vous avez dit que Vetra vous a aidé. De quelle manière? Certains d'entre nous cherchaient à fuir Kadara. Elle a dû la prendre grâce à ses contacts. Elle nous a contactés. Elle nous a créé des affectations dans les avant-postes. Ça nous a libérés. On l'a jamais rencontrée en personne. On communiquait seulement par radio. C'était peut-être pas vraiment elle. Vous croyez? En tout cas, on pensait que Mary Weaver nous laisserait partir. Et on s'est trompé. Comment Mary Weaver a pu établir une base sur cette planète? Elle s'est fait des amis sur Kadara. Des Angara qui lui ont parlé de cet endroit. C'était une mine, je crois. Les installations ont été endommagées, puis abandonnées. C'était parfait pour Mary Weaver. Elle voulait faire son trou seule, loin de Sloane. On a travaillé d'arrache-pied. On s'est fait une place au soleil en s'occupant de choses que Sloane refuse de toucher. Vous savez ce que Mary Weaver compte faire de nous? Mary Weaver nous a utilisés comme appât pour attirer Vetra. Maintenant qu'elle est ici, on ne sert plus à rien. Quant à Vetra, c'est sûrement une vengeance. Mary Weaver n'aime pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Je crois que ça ne finira bien pour personne. On aura le temps de parler plus tard. Les commandes de la porte ne sont pas accessibles d'ici, pionnière. Il y a forcément une sortie. Je peux ouvrir les portes de mon côté, mais elles n'ont plus de courant. Il faut les réactiver. De votre côté? Mais qui êtes-vous? Je n'aime pas ça du tout, Ryder. Contentez-vous d'alimenter ces portes! Il semble être en état de marche. Plus qu'à le tester pour le savoir. Thank you.
câble ne permettra pas d'alimenter la porte. Ces câbles pourraient servir à raccorder la porte au générateur. Silencieuse en piratant la porte. Si les gardes voient Galloway et les autres, ils les tueront. Il faut les cacher. Dans la réserve. Entrez tous là-dedans. De vidéosurveillance à ce panneau. Vous pourrez voir les gardes arriver. Si vous attendez qu'ils passent, vous pourrez les prendre par surprise. Quoi ce bordel? Où sont les prisonniers? Ils sont partis. On peut y aller. Ils ne vous ont pas vu. Restez ici, on va s'occuper d'eux. Et voilà le travail. On devrait vérifier que les colons vont bien. Sidéranix, c'est toi qui te fais passer pour moi, n'est-ce pas? Comment tu le... Tu me crois incapable de reconnaître mes propres astuces? Et arrête d'utiliser ma voix. Désolée, c'était plus facile de convaincre les gens de m'écouter en imitant ta voix. À cause de tes contacts et tout ça. Sid! Vous disiez vrai. Ce n'est pas vous qui nous avez aidés, mais... Ma petite sœur, oui. Ce n'est pas rien de se frotter au gang de Kadara. Elle a mis des gens en danger. Ça ne se reproduira pas, je vous le promets. Je voulais les aider, c'est tout. Galloway et les autres voulaient juste un nouveau départ. Ça suffit. Tu vas parquer ton derrière dans une navette et retourner sur le Nexus illico. Mais je peux t'aider à faire sortir tout le monde d'ici. Tu as piraté une porte sans te préoccuper des mesures de sécurité. Ça n'est pas vraiment de l'aide. Alors dis-moi ce que je peux faire. Je vois toute la base d'ici. Ryder? C'est votre sœur? Super, merci pour le soutien. Bon, d'accord, tu peux nous aider, Sid, mais si tu suis mes instructions à la lettre, ok? On va rester ici pendant que vous dégagez le passage. Ça nous évitera de nous retrouver entre deux feux. Plus vite on agira, mieux ce sera. Sid nous alertera si quelque chose vient vers nous. Prenez le couloir et traversez le réfectoire, c'est le plus rapide. D'abord, est-ce que tu es en lieu sûr? Ouais, je suis branché sur leur système depuis l'extérieur. La navette est bien cachée. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Vous saviez que votre sœur s'amusait à se faire passer pour vous? Vous croyez que je l'aurais laissé faire si j'avais su? Ça explique les réactions bizarres de certains de mes associés. Merde. Je me demande bien ce qu'elle a pu faire d'autre en mon nom. Sid, tu vois les... Sid, il va falloir que tu t'introduises dans les systèmes et que tu causes une perturbation. Ça marche. Juste une. Et tu te déconnectes tout de suite. Si tu en fais trop, tu te feras repérer. Je peux envoyer une surtension à ce générateur. La décharge électrique pourrait en neutraliser plusieurs. Ryder? Surcharge le générateur au moment où je passe la porte. Compris. Il fallait vraiment tous les tuer?
Tu aurais préféré qu'ils s'en prennent à tes amis? Non, mais bon. Laisse tomber. Prenez ce couloir. Il devrait vous conduire à... on dirait des cages. Ils les entraînent peut-être pour s'en servir de garde. S'ils sont toujours sauvages, ils pourraient nous prémâcher, ces gardes. Ou ils pourraient aussi s'en prendre à nous. Retourne ces tourelles contre les hommes de Meriwether. Ça devrait nous en débarrasser. C'est parti! On a fait voir. Ce truc était énorme, vous avez assuré. Bref, ensuite, traversez l'atelier. C'est la sortie la plus directe. Il y a un parasite dans le système. Attrapez-le-moi! Double ration pour celui qui réussira. Je pourrais déverser ce qu'il y a dans ces réservoirs. Ce truc passe au travers des boucliers. Si on ne fait pas attention, ils ne seront pas les seuls à en prendre pour leur grade. Vous avez l'embarras du choix, on dirait. Désactive l'hydre. J'ai pas spécialement envie de me battre contre cet engin. Compris, pionnière. Que je ne voulais pas que tu te mêles de mes affaires. Sid, qu'est-ce qui nous attend par ici? Sid? On dirait... Sid? Je crois que... quelqu'un a trouvé ma navette. J'entends des... Il faut que je... Oh non! Sid? Sid, réponds! Ils l'ont trouvé! Ils vont la tuer!
Qu'est-ce qui t'a pris de jouer les héros, Sid? Espèce d'idiote. C'était complètement stupide. Sid va leur servir de garantie. Ils ne la tueront pas tout de suite. Mais il faut faire vite. Vous avez raison. Je crois que je capte le signal de Sid. Il devrait nous mener jusqu'à elle. Pas de temps à perdre, mais tâchons de faire attention. Ma sœur est avec eux. Attention! Ils arrivent droit sur nous! Ne vous préoccupez pas de ça. Essayez plutôt de rester en vie. Cette console doit contrôler la sécurité de la pièce. Il faut qu'on la neutralise. Non, j'ai tué personne, moi. Je sais même pas me servir d'une arme. Si vous voulez votre... Parasite Vetrani... Venez me trouver. Au secours! Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, pionnière. Si ça explose, vous mourrez aussi. Mais vous empêcherez ça. Vedra. Tout va bien se passer, Sid. On va te sortir de là. Très bien. On écoute. Alors? Déposez vos armes par terre. Tuez-les tous. Sid, couche-toi et reste à terre. Je laisserai personne l'approcher, vous inquiétez pas. Reconduis à ta navette. Ça va? Tu n'es pas blessé. Je crois que ça va. De l'aide arrive. On est sauvés. Grâce à vous. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Je suis vraiment désolée. On ne s'amuse pas avec ceux de Kadara. Ils sont dangereux. Je voulais juste... Ces gens cherchaient à prendre un nouveau départ, à ne plus être des exilés. Personne ne voulait leur donner une chance. Alors j'ai cru que je pourrais les aider. Ces gens ne sont pas des criminels, ils ont simplement fait de mauvais choix. Votre sœur a bien agi. Elle aurait quand même dû m'en parler.
Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, Sid. Ce que je fais peut être dangereux et tu ne devrais pas y être mêlé. Toi, t'as commencé à mon âge et tu t'en es bien sorti. Je n'ai pas eu le choix. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu, Sid. Je sais, ça m'a fait un choc au début, mais je comprends maintenant. Je suis assez grande. Je ne veux pas t'exposer à ça. Très bien, je retourne au Nexus, c'est ce que tu voulais. La journée a été mouvementée. Vous allez bien ? Ça va. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Les colons sont en sécurité. C'est déjà ça. Merci de votre aide, Ryder. Qu'est-ce que vous diriez de rentrer maintenant ? Un autre datapad à proximité, pionnière. Ce Krex doit être responsable de l'extraction d'Hélium 3. C'est lui qu'on doit arrêter. Le code est toujours... incomplet, pionnière. Il manque un fragment. C'est dingue de penser que cette poussière contient des ressources aussi précieuses. C'est l'effet des radiations solaires. C'est également ce qui rend cette planète aussi dangereuse. Vous vous souvenez de toute l'activité avant le départ des Arches ? Tout ça pour un coup de poker dans une galaxie inconnue. Je me suis pris un chargeur en pleine tronche. Le conducteur était en train de palabrer pour savoir où stocker les rations. Je lui ai foutu une paye en plein dans les gyros. Vous pouvez entrer dans le sas avec le nomade, pionnière.
Datapad détecté, pionnière. Là, j'en ai plus qu'assez. Sam, tu as le fragment manquant? J'ai le code complet, pionnière. J'ajoute la base des exilés à votre système. Bien, il ne reste plus qu'à arrêter Krex. Vous pouvez utiliser le code sur la porte du second dôme. Ça a marché. Ça règle le problème de Krex et ses hommes. Mais je me demande toujours ce qu'ils fabriquaient. Je détecte un registre audio à proximité, pionnière. Il pourrait répondre à vos questions. Je ne veux pas d'excuses, Krex. La poussière de la surface ne suffit pas. Pour me débarrasser de ces colonies de l'initiative, il va me falloir beaucoup plus d'hélium 3. Le laboureur reliquat du conservatoire fonctionnera, j'en suis sûr. Mettez-le en marche. Terminé. Ils voulaient attaquer les colonies. Mais on dirait qu'ils n'ont pas réussi à activer une sorte de laboureur reliquat. Sam ? Un laboureur reliquat exposerait une plus grande quantité de terre aux radiations et augmenterait la production d'hélium-3 de façon exponentielle. Si mes calculs sont exacts, cette planète pourrait alimenter les vaisseaux du Nexus pendant 368 ans. Nos réserves de la Voie lactée finiront par s'épuiser un jour. Maintenant, on a un plan B. Il faut qu'on active ce laboureur. Je vous ai indiqué l'emplacement du conservatoire reliquat. Si Elora avait extrait assez d'hélium-3 pour bombarder les colonies... Je vous conseille d'éviter les hypothèses, pionnière. J'ai alerté le Nexus de la situation. Des patrouilles vont être postées sur toute la planète pour garantir que l'hélium-3 reste sous votre contrôle. J'aurais quand même deux mots à dire à cette Elora si je la croise un jour.
Sam, comment est-ce qu'on fait marcher ce laboureur? Je détecte une console un peu plus loin. Vous devriez pouvoir pirater cet observateur pionnier. Je préfère quand il n'essaie pas de nous tuer. Ses protocoles sont limités, mais vous pouvez lui confier des tâches simples à l'aide de votre scanner. Regarde, il y en aura d'autres. Je crois pas que ce soit fini. Je crois pas que ce soit fini. Je crois pas que ce soit fini.
les ennemis. Véronica, par ici. Je crois pas que ce soit fini. 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 Je change de position. Je crois pas que ce soit fini.
Par ici.
reliquat en vue. Plusieurs mécanismes s'actionnent. Le laboureur reliquat est actif. D'ici quelques années, la production d'hélium 3 va grandement augmenter. Transmets la bonne nouvelle à Tan. On a du carburant. Retournons à la surface.
Prochaine destination, pionnière.